la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Luc 1, verset 79. Dieu nous a envoyé Jésus pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Je crois que la paix est l'une des choses les plus importantes et la plus grande bénédiction que Dieu nous accorde. Le problème, c'est que dans ce monde, nous ressentons toutes sortes de sentiments, mais pas la paix. Nous pouvons agir autrement. Dans Luc 1, 79, il est écrit que Dieu a envoyé Jésus pour nous guider sur le chemin de la paix. En tant que chrétiens, nous avons le merveilleux privilège de marcher dans une paix surnaturelle que Dieu nous accorde, sans nous préoccuper du monde extérieur. J'ai vécu, durant les 40 premières années de ma vie, sans paix. J'étais malheureuse. En fait, j'avais tellement envie d'être en paix que j'étais prête à ce que Dieu me façonne. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une vie paisible et d'être comprise par mon entourage. Maintenant, je suis non seulement capable de traverser paisiblement les tempêtes de la vie, mais aussi lorsqu'il n'y a pas de tempête. Rechercher la paix, est-ce une priorité pour vous? Dieu désire que vous suiviez l'Esprit Saint dans la paix que vous avez acquise en Christ. Prions ensemble. Mon Dieu, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour me donner la paix. Je reçois ton immense bénédiction pour la paix que tu m'accordes chaque jour. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la méditation quotidienne sur joycemeyer.fr/méditation. Passez une bonne journée et à très bientôt.